Et tout de suite en direct live, le jeudi. Voilà, on n'applaudit pas pour commencer, s'il vous plaît. Allez. Merci. Et oui, c'est le premier jeu du enregistré en public, c'est quand même formidable. On est en live, alors, Kaba Convention, ça va? Tout va bien? Tout se passe bien? Vous êtes chaud, Lille? Et vous connaissez notre jeu? On s'en fout! On a deux candidats pour participer. Le premier s'appelle Benjamin. Il a 12 ans, on l'applaudit. Ça va, Benjamin? Ouais. Ok. Et le deuxième candidat s'appelle Sofiane. Et il a 14 ans. Il a 14 ans et il a fait ses poils hier. Ouais! Stage 1. Première question. Laquelle de ces créatures n'est pas un familier de Dofus? Alors là, vous pouvez pas répondre. Là, on peut pas se la péter, là. Donc, quatre propositions. Bip bip! Non, quand on dit... Quand on dit bip bip, vous dites Wakfu! D'accord? Bip bip? Wakfu! Le public aussi. Bip bip? Wakfu! Parfait. On y va. Alors, lequel de ces créatures n'est pas un familier de Dofus? Nomoun, Coincoin, Peki, Croûte. Mais non, mais il faut écrire. Et vous jouez pas? Non, lui, on lui met un point à la con parce qu'il a, il est vraiment... Allez, il a con, un quoi. Point à la con. Alors... Et je sens qu'il va en avoir beaucoup durant cette partie. Les points à la con, c'est celui qui a le plus des points à la con à la fin et humilié sur scène. Et son humiliation servira de bande-annonce à l'émission pendant une semaine. Est-ce qu'il mérite encore un point à la con? Eh ben il en a deux. Est-ce que vous dites ouais à chaque fois qu'on dit quelque chose? Génial. On retourne les ardoises. Alors toi tu me la montres aussi, s'il te plaît. Tu la lèves parce que je la vois pas. Non mais moi je la vois pas, je suis pas à la caméra. Et... Deuxième point. Trois points à la con. Montre-moi le doigt, là. À moi, j'ai... À moi. Lui, il est balèze. Croûte, bonne réponse. Une double bonne réponse. Oui, on les applaudit. Alors, vas-y. Bip, bip. Ah, il a pas répondu, un point à la con. Ah, parlez bien dans le micro, hein, quand vous pouvez. Voilà, attention. Question numéro 2, vas-y. Quel est le nom du plus gros magasin de Tom Nook dans Animal Crossing? Est-ce que quelqu'un se la pète? Non. Proposition. Solution A, le Mono Nook. Solution B, l'Hyper Nook. Réponse C, le Furet du Nook. C'est possible, hein? Réponse D, le Nookoprix. Allez, on répond. A, B, C ou D? Bip bip. Un point à la con. Moi je l'ai pas entendu. Hein. Le public aussi là, il était pas prêt. Hein. Vous êtes pas prêt. Hein. Là juste pour le public. Bip bip. Nickel. Allez, on retourne l'ardoise. Alors réponse D et Furet du Nook. Et c'est une double mauvaise réponse. Allez, on les siffle. Si je veux vendre, mes pêches et mes oranges, je vais à l'Hyper Nook. Eh oui. Un point à la con pour le mec devant là. Alors, comment s'appelle le café où travaille Madoka ou Sabrina dans Orange Road? Tu connais Orange Road? Non, hein, non. Max et compagnie. Max et compagnie, le dessin animé. Non? Non? Non, vous connaissez vous? Ah, bon. Alors. Pas trop quand même. Réponse A. C'est moi qui l'ai dit. Oui, vas-y, ouais, tu l'as dit. Réponse A, le Minamikaze. Réponse B, le Cat Size. Réponse C, l'ABCB. Réponse D, l'Hyper Nook. Ou le Furet du Nook, si vous voulez aussi. Bip bip. Et le mec, il va être le recordman de l'émission des points à la con. On lui en met encore un. Là. C'est le but, c'est le but. Allez, on retourne les ardoises.
Alors, la B, C... Alors toi, t'as répondu toutes les réponses. La réponse A. Non, c'est faux. La réponse C, très bonne réponse. Oui, c'était bien l'ABCB. L'ABCB. À quel objet cette description fait-elle référence? Ta gueule. Cette minuscule racine incarne parfaitement la fourberie. Personne ne sait pourquoi, mais tout le monde le sait. La racine de fourbasse, la racine d'abracnide, la racine de fécorce, la phèdre de racine. La phèdre de racine. T'as un point à la con, tu me regardes. Retournez les ardoises. La vers public maintenant. C'est oui, une double bonne réponse. Double bonne réponse, bravo. Attention, tu as répondu à deux réponses d'affilée. Tu peux peut-être faire un combo si tu réponds bien à la prochaine réponse. Et oui, il y a des combos comme dans Street Fighter. Comment se nomme le familier des Osamodas? Gob Gob. Blob Blob. Toc Toc. Bog Bog. Allez, vous savez pas, hein? Bah moi non plus. Il y a des gens de Dofus. Wakfu, c'est Wakfu? C'est qui? Il y a qui de Wakfu? J'ai pas la réponse sur ma fiche. Qui a préparé les fiches? C'est le docteur Lacave. C'est une question écrite par le... C'est le docteur Lacave qui n'est pas là, okay. Et qui a écrit ses fiches. Ok, j'ai 14 points à la con. Il y a quelqu'un qui a la réponse? Non? Le sort? Pourquoi ça fait pas partie de nos 4 solutions? Ok, donc tu réponds A, c'est une très bonne réponse. C, c'est une très bonne réponse. Un point à tous les deux. J'ai donc mon combo. Non. T'as pas le combo. T'as un point en plus, mais t'as pas de combo, faut pas déconner. Voilà. Stage 2. Bip bip. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors c'est le stage 2 et vous, jouez pour gagner. 1. Une béné d'Ofus. Un mois d'abonnement. Et un marcassin. C'est maintenant. Eh, hey, vous m'écoutez? Oh, s'anticiper. Bip bip. Hey, un point à la con. On dirait que ça lui fait plaisir. J'ai envie de lui les enlever, c'est tous ces points à la con, juste pour l'emmerder. Allons. J'ai une réputation, s'il vous plaît. La question maintenant est, est-ce que ça existe dans Dofus? Tout simplement. Est-ce que ça existe dans Dofus un ménestrel du nom de Francisque Cabroul? Oui. 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 Bonne réponse. Qui a fait nos fiches? Non, mais c'est l'inverse en fait. Non? Ok. Un ménestrel du nom de Luciano Pavanrotti. Ok, c'est l'inverse en nos fiches. C'est l'inverse. On ne souffle pas là, la demoiselle bon en vert là. Bip bip. Vous. Ok. Eh bien, c'est une bonne réponse, ça n'existe pas. L'avant-dernière. Est-ce que la créature, le Ploukos, existe? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Il n'y avait pas un Ploukos qui traînait? Moi, une fois, il m'a semblé voir un Ploukos. Non, c'est une bonne réponse, bravo. Et la dernière? La cité de Brakmar. Ah, ça fait pas ping-pong. Ah. Eh bien, c'est une bonne réponse, ça existe, bravo. Maître Capello des points. On en est où? Une égalité. Égalité. 4 à 4. Attention. Égalité. 4 à 4. Laissez-moi parler. 4 à 4 pour 7 manches. Pour cette manche-là, 4 à 4. Alors non. Maintenant, on va vous départager avec... On va les départager avec le la duel. La manche vite, le duel. Vous allez pointer cette arme en direction de votre adversaire, chacun à votre tour. Lorsque le ballon éclate, vous gagnez les prix. D'accord? Benjamin, c'est le plus jeune qui commence. Tu commences, tu pointes sur le visage de ton adversaire. Si ça éclate, tu gagnes les prix. Ah,
tu donnes à ton adversaire. Et arme toi, bien le chien. Tu armes le chien. Pas le chien-chien, le chien. Non, tourne pas. Ça. Le chien. Ouais. Le barillet, le chien. Je suis contre les armes. Ça n'empêche pas de savoir les noms. Hein. Vas-y, Benjamin, vas-y. Ouais. C'est pas que je suis contre toi, hein, mais... Ouais, bah non. Bravo, tu remportes un mois de connexion, manga et le marcassin. Et on passe au stage 3. Enfin. Stage 3. Alors pour ce stage 3, il y a 2 mois de connexion à gagner. Et la splendide BD, les mains d'Eniripitsa. D'Eniripsa. Oui, bah c'est bon. Point à la con. Zut à tous. Attention, c'est parti. On se bat pour voler des points à l'adversaire. Et pendant qu'on regarde le combat, on regarde les petites fiches personnages. Les fiches personnages. Mais dis-moi, mais t'es qui toi ? Sofiane, 20 ans. Je regarde No Life. J'aime bien Nerds. J'aime bien Mange Mon Geek. J'aime bien Chez Marcus. J'aime pas trop The Flanders Family, mais je regarde quand même. Et j'adore le jeu du... Mon jeu préféré est Street Fighter 2. Mon film préféré est La Haine. Mon manga préféré est Dragon Ball. Mon animé préféré est Dragon Ball aussi. Beaucoup d'artistes préférés en musique. Et en ce moment, je dirais John Norris pour une amie qui me regardera sûrement. Là, je perds comme un loser. Prénom, c'est Benjamin. Mon nom, c'est Henri. J'ai 12 ans. Je viens de... à côté de Chartres, Galardon, une petite ville. Sur No Life, je regarde tout, à part les clips, de rock japonais que j'aime pas trop. Mon jeu vidéo préféré, c'est Super Smash Bros. Melee. Mon film préféré, je dirais Princesse Mononoke. Mon manga préféré, j'hésite entre Death Note et One Piece. Mon artiste préféré est Tufo. Je pense que je vais perdre. Allez, vas-y, Benjamin. Qui joue avec Jean? Qui a gagné? Ah, Sofiane a gagné. Tu voles. Ça m'énerve, qui gagne, ça m'énerve. Tu voles 2 points ton adversaire, mais vu que t'étais beaucoup plus âgé que lui, tu rapportes 14 points à la course. Voilà. Bon, alors, Maître Capello, on en est où des points? Qui a gagné ce jeu du bip bip? On a 5 points pour Benjamin et 10 points pour Sofiane. Sofiane est le grand gagnant de ce jeu du bip. Les pronostics. Ah, les pronostics. Sofiane avait dit qu'il perdait. Comme un loser. Et toi, tu avais dit que tu perdais. Donc, toi, tu gagnes 2 points. Donc 5, 6, ça fait 7. Mais, et donc, tu as toujours perdu, puisque toi, tu as 10 points. Je veux une carte duel. Tu veux une carte. Ah, il veut une carte. Carte destin, ah là là. Et c'est une carte positive. Donc, tu voles des lots, le lot de la première manche à l'autre candidat. Et il gagne un mois d'abonnement en plus. Voilà. Un mois d'abonnement en plus pour toi. Mais non, assieds-toi parce que c'est Sofiane le grand gagnant. Et donc on va essayer de te faire bien avoir la loose tout à l'heure sur scène. Final stage. T'es parti. Alors on rappelle que c'est des vieux jeux qui tournaient sur Neo Geo. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression que ça pixelise. C'est parce que ça pixelise. Attention, tu as droit à 3 coups. Et il y a de l'eau. Hein. Eh, hey, t'as toujours joué au golf ou quoi? C'est bien! Bravo pour ton premier coup, bravo! Je sais pas pourquoi, moi j'ai envie qu'il perde! Moi aussi, j'ai pas envie qu'il gagne un an gratos pour Sofiane, non? Si! Ah d'accord. Ah, c'est moins bien là! Ah, là! Moins bien là! Là, faut que tu la mettes avec celle-là! Faut que t'arrives là et... Il faudrait vraiment beaucoup de chance pour y arriver. Hein. Ouais, moi je personnellement je t'en sens pas capable. Allez, moi je sens si t'y arrives pas. Ah, t'as l'impression ou pas un peu là? T'as si t'y arrives pas, le chacha géant, je le donne à Benjamin. Et c'est perdu. Faut
qu'on fasse aussi le décompte des points à la con. Ah oui, les points à la con, alors, Maître Capello. Il a eu combien de points à la con, Sofiane? 20 points à la con. 20 points à la con. Pour un point à la con pour Benjamin, quand même. Et un point à la con pour Benjamin. Un point à la con, c'est trop mignon. Ouais. Alors, Sofiane, voici ton humiliation. Il va falloir que tu appelles la France entière à regarder le jeu du tous les mardis sur nos lives. Et tu termines par... Attention, il faudra réagir à ce qu'il dit. J'appelle donc toute la France à regarder le jeu du sur nos lives le mardi soir. Et sachez que mon jeu préféré, c'est World of Warcraft. Et ma guilde, c'est le Wulgang. Regarde, regarde ce que la France pense de toi. Et avant de partir de l'Ankama Convention, pensez à lui mettre une petite baffe. Merci. À la semaine prochaine. Et Benjamin, à demain. Tu gagnes le chacha aussi parce qu'il l'a perdu.